Eh bien, salut les endroits, ici ça sont pour la nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous apprendre à régler le problème de USB BT joystick lorsque vous l'ouvrez et que vous activez le GT, voilà le truc vraiment essentiel GT, et qu'on vous met ce message là: cannot get access to dev point please install a custom ROM. Or normalement ça ne devrait pas s'afficher. Donc pour régler ce problème, il y a Cell Unix Mode Change. Bon, certains l'utilisent, mais ça ne fonctionne pas en fait. Voilà, c'est pas sur tous les appareils que ça fonctionne. Donc j'ai trouvé une autre méthode qui est le terminal. Le terminal va nous permettre de régler le problème. Là, on n'a pas touché à Cell Unix Mode Change tout simplement parce qu'on va pas l'utiliser tout de suite. Voilà, SU d'abord. Lorsque vous ouvrez le terminal, vous écrivez SU, ensuite vous appuyez là, vous écrivez 7 ENT encore. Voilà, ensuite FORSE espace 0 et vous appuyez là et vous sortez. C'est très simple. Et là le problème est réglé. Voilà, c'est très simple, c'est pas difficile. Le problème sera réglé en un clin d'œil. Voilà. Voilà, là maintenant on nous met, attendez, touche server started virtual boost device found. Voilà, donc ça fonctionne maintenant. Voilà, donc maintenant je vais revenir en arrière parce qu'on peut désactiver aussi SU. Je fais pareil, cette fois-ci je mets pas 0 mais je mets 1. Voilà, force 1. Voilà, c'est fini. Je sors, j'ouvre à nouveau USB T joystick et là ça ne fonctionne pas. Attendez, voilà, là on met le message précédent: cannot get access to dev please install custom ROM. Voilà, donc normalement lorsqu'on utilise Cell Unix Mode Change, lorsqu'on appuie là et puis c'est tout, on ouvre, ça fonctionne, mais d'autres appareils ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, juste pour vous montrer que Cell Unix Mode Change n'est pas le seul à fonctionner. Voilà, donc si vous utilisez Cell Unix Mode Change et que ça ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le terminal émulateur. À court sur, ça fonctionne. Voilà, je suis sûr que ça va fonctionner. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau, en vous abonnant évidemment. Et si vous n'avez pas kiffé la vidéo, abonnez-vous et donnez votre avis dans les commentaires. Sans oublier de lâcher un gros pouce bleu. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était Zos Contrôleur. A plus pour une nouvelle vidéo.